Ce lundi 6 septembre, l'acteur français Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans. La nouvelle a été annoncée par son avocat Michel Godest à l'AFP. Très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement, a-t-il déclaré. Depuis l'annonce de la disparition de celui que l'on surnommait le Magnifique, les hommages se multiplient. Sur les réseaux sociaux ou les médias. Anonymes ou célébrités. Chacun à sa manière, a tenu à rendre hommage à l'immense acteur qui a marqué toutes les générations. Dans la foulée de l'annonce, Alain Delon, son ami et éternel rival, a ainsi confié sa grande tristesse d'apprendre la disparition de l'ADSA sur les antennes d'Europe 1. Le président de la République Emmanuel Macron a également honoré sa mémoire dans un texte très touchant publié sur Twitter. Il restera à jamais le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national. Tout en panache et en éclats de rire, le Verbo et le corps leste, héros sublime et figure familière. Infatigable casse-cou et magicien des mots, a ainsi publié le chef de l'État. Ce jeudi 9 septembre, un hommage national lui sera rendu aux Invalides, à Paris. La cérémonie sera organisée en accord avec la famille de Bébel. La clan Belmondo a peu à peu réagi publiquement à la mort de leur chef de file. Après Florence Belmondo et Paul Belmondo, deux des enfants de l'acteur, le premier petit-fils de Jean-Paul Belmondo, a réagi à la disparition de son grand-père. Ce mardi 7 septembre, ce dernier a publié un vibrant message sur son compte Instagram. Le chef du clan nous a quittés, a d'abord écrit le fils de Paul Belmondo, âgé de 30 ans. Sous une photo iconique de l'acteur français. Et de poursuivre, mais il laisse en moi des valeurs qui seront marquées à vie. Aller de l'avant sans jamais arrêter de se battre, de toujours garder le sourire. Rester humble et surtout aimer la vie. Et aujourd'hui grâce à lui, je ne recule devant aucun obstacle. Il nous aura tout marqué à vie. Merci. Maintenant vous êtes tous réunis en haut et surtout restez bien sages les gars. A ainsi écrit celui qui est chef cuisinier. Son message n'a pas manqué d'émouvoir sa communauté qui n'a pas hésité à réagir dans l'espace des commentaires en abondant de cœurs.